Salut à tous, on va faire le test de The Last Kid on Z et le Spectre Maudit. Alors c'est un jeu qui tirait, je crois, d'une bande dessinée, il me semble que j'ai vu, je crois que c'est une bande dessinée ou un dessin animé. Hop, on va lancer ça. Alors on dirait qu'il y a des morts vivants, tout le mode hors ligne. On dirait qu'il y a un mode en ligne. Alors on peut choisir les personnages. Alors je ne connais pas du tout si c'est, comme je vous disais, si c'est tiré d'une bande dessinée ou d'un dessin animé. On va prendre le personnage principal, je pense que c'est lui. Là après, début de la partie dans 3 secondes. Voilà, ok, vas-y on voit. Voilà, c'est parti. On va voir s'il est cool déjà, s'il est fun. Moi, c'est Jack Sullivan. Ah, déjà il est en français le jeu. Héros post-apocalyptique. Il est en français, ça c'est cool. Et voici mes amis. June Del Toro, joueuse de hockey et tueuse de monstres. Ok, vous en avez bien content hein, pour des du collège devenu mon pote de jardinage et super guerrier. De monstres. On va passer. Hop, le but c'est de vous montrer du gameplay. Alors, avec ses potes. Ok, Jack, il s'appelle le personnage principal. Alors, déjà ça c'est cool. Par contre, ça a l'air pas mal si on joue en coop. On peut jouer jusqu'à 4, on dirait. C'est ça que je vois. Round. Alors, il peut attaquer avec le X. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait l'effort d'avoir les voix en français. Ça, c'est plutôt rare, parce que souvent, quand il y a des jeux comme ça, il n'y a pas les voix en français, et ça, c'est vraiment... C'est embêtant, des fois. Un zombie. Pour vous dire que le jeu est gratuit sur le Game Pass, si vous avez la Xbox. Le jeu est totalement gratuit. Est-ce qu'on peut sauter ? Sauter ce personnage, non. Non, on peut pas. Ah, je vais tout péter, on va voir si on peut récupérer des trucs. Ah, les décors sont assez sympas pour un petit jeu comme ça. Éviter des pièges indécis, voilà, à bien ça. Voilà, je risque pas de passer. Alors là, il fait les poubelles. Je fais comment pour passer, parce qu'avec le courant là. Non, il peut pas passer par en dessous. Non, il peut pas passer à là, chez le voisin, non, il peut pas. Ah, j'ai réussi à passer. Ok, il a réussi à passer alors qu'il y avait le, qu'il y avait le courant. Ça allait pas mal. C'est bien, ça me fait penser un peu à planter les zombies un peu, le style. Ah, les zombies là. Je vais regarder vite fait s'il a des atouts. Non, il a pas d'atouts. Pour l'instant, il peut taper qu'avec son morceau de bâton là. Ce qui est un peu dommage, il peut pas prendre autour de lui tout ce qui est. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je peux pas le prendre. Je sais pas, il y a un objet on dirait, moi je peux pas le prendre. Je sais pas pourquoi. Par contre, je vais voir s'il a un super coup. Là, j'ai récupéré. Là, je prends une chance. Chez le voisin, je défonce tout. Hop. Ce truc gluant va me ralentir. Faut que je fonce pour passer. Là, le seul moyen c'est de faire la. Aïe. Faire la glissade. Par contre, il n'y a pas de vibration. Enfin, il y en a un peu, mais. Ah, pas beaucoup. Alors on dirait qu'il est dans un monde de zombies là. Oula. Je peux pas les prendre, on dirait que c'est pas mon personnage ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a un coffre là. Ah, on a des coffres, genre de XP. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Le suspense est insoutenable. J'ai ramassé des pièces, ok. Y'a rien d'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Suivre le câble hein, pour ouvrir les portes. Un bouton à côté d'une porte fermée. Ça va ça. Je pense que je devrais m'en sortir sans l'aide de Quinn cette fois. Ah, elle a ouvert la porte, ça y est. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. C'est vraiment un petit jeu, c'est pour les jeunes. Les plus jeunes. C'est pas mal pour jouer à 4 tout. Avec les zombies, tout. Par contre, ce qui est dommage, c'est que tout ce qui est autour, on peut pas le prendre. C'est un petit peu dommage. Je parie que je peux balayer tous ces types d'un seul grand coup. Les zombies. J'espère trouver d'autres armes parce qu'à part ça. Oula. Il a bien énervé. Il me semble que c'est une série qui est sur Netflix. Je crois. Enfin, un dessin animé, ça. J'en suis pas sûr, les gars. Pour ceux qui le savent, si tu peux me le dire,
dans le plus, ça serait sympa, comment dire, pour me savoir si c'est vraiment une bande dessinée ou un dessin animé. C'est vrai que j'aimerais bien savoir. Alors j'ai réussi à passer par là. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. À mon avis, je vais tomber sur un boss. Il y a des zombies qui ont l'air un peu plus rapides là. La jauge de vie, ça va, ça tient pour l'instant. Je connais pas les aptitudes du personnage, s'il a des pouvoirs, s'il a des armes en plus, je ne sais pas du tout. Je vais regarder vite fait, non, y a rien. Vestiaire, c'est quoi? Collection, ouais, j'ai pas récupéré pour l'instant. Oh, faut récupérer des trucs, on dirait. Un nombre de limité de grenades. Ah, mais c'est des grenades ça? J'ai pas pu les prendre tout à l'heure, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oh, y'en a un qui a l'air d'avoir bien mangé là. Y a un zombie là, et il est énorme. On va s'occuper des petits d'abord. Ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à prendre ce genre de boomerang là. C'est une sorte de grenade. Ah si, je crois que je les ai, mais on les balance comment? Merde, je les balance comment? On dirait que je les ai, mais... Ah si, j'ai vu que j'en avais 5. Je peux faire un super coup. Alors là, je sais pas comment les balancer. Je me fais attaquer. Il y a un zombie, les gars. Allez hop, c'est bon, je l'ai eu. Alors là, je sais pas comment les balancer. Je sais pas regarder. Peut-être s'il avait marqué. Alors ça, attendez, je suis en train de m'entraîner en même temps. Ça, c'est pour mettre un grand coup. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais, ok. Pour rester appuyé, hop. Ok, le boomerang. D'accord. On dirait que le personnage il est fan, par contre, du baseball. Vu comment il tient son bout de bois. La map, elle m'indique quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que la map là nous indique vraiment là où on va. Ah ouais, on les récupère au fur et à mesure, ok. On va en avoir que 5. C'est des boomerangs explosifs. C'est vrai que très bien que je le teste. C'est quel bouton déjà? Putain, je me rappelle. Ici. Merde, j'arrive même plus à le faire. Comment j'ai fait d'ailleurs? Ah ouais, c'est comme ça. Ah, c'est pas terrible par contre, parce que le problème, le bouton, ils ont fait le bouton Y. C'est pas le top pour envoyer ça. J'aurais bien vu l'autre bouton, le bouton X sur la Xbox. Ouais, il est cool là, pour moi. Aïe. Ce qui est cool quand même, c'est que les boss sont en français. Machin, parce qu'en anglais c'est bon. Ah, je suis mort, non? Et par contre là il y a l'air d'en avoir un sacré paquet. Alors ça va être plus facile quand on joue à 4, hein, c'est sûr. Alors je crois que le gros problème du jeu, c'est qu'on peut pas jouer en 4 en ligne. C'est-à-dire que vous devez jouer à 4 avec vos amis chez vous. Ça c'est le gros bémol je crois du jeu. C'est vrai que ça c'est un petit peu mal foutu, ça aurait été mieux de jouer en ligne, comme dans tous les jeux qu'il y a maintenant. Surtout maintenant. On va essayer de passer vite fait. Ah ouais, mais on a pas besoin de se battre. C'est ici que je dois venir si je veux passer le relais. Où la porte, c'est quoi ça? Ah, je peux changer de personnage, on dirait. Tu te calmes les gars, je viens vous sauver la mise. Ah ouais, elle est bonne là, elle a un flingue. Une sorte de laser, je sais pas ce que c'est, son bras là. Ah c'est cool ça, je peux changer de personnage. Ouais, sympa. C'est un bon petit jeu, par contre il a l'air de devenir de plus en plus dur, ce qui est normal au fur et à mesure. C'est vrai qu'en ce moment ils aiment bien la mode des zombies. Dès qu'un jeu, ils sortent un jeu, il faut qu'ils nous mettent un mode zombie, que ce soit n'importe quel jeu. Même j'ai remarqué, pour relancer un jeu qui ne marche pas, ils mettent toujours un mode zombie. Un DLC de zombie. Alors, hop, là à mon avis j'ai tombé sur un boss. C'est le moment rêvé pour faire appel à Muetor. Ah mais quoi? Ah, je crois que j'ai un super coup mais je suis pas rendu, putain wesh. Elle figue à son truc là. Ah non. Ah, super. C'est assez simple mais fun. Oh.
Oh, c'est cool, m'attendais à un truc moins bien, mais là c'est assez sympa. Graphiquement, c'est cool, ça c'est beau, ça bouge bien. C'est pas le jeu de l'année, mais ça va. Si vous jouez avec des potes, tout à ça. Comme je vous dis, on peut pas jouer en ligne, c'est ça qui est un peu le bémol. Il va falloir jouer avec des potes, avec vos manettes. Alors, si vous avez 4 manettes, ça va. D'habitude, on en a 2. Alors, est-ce que je prends pas le véhicule? Ça va bien ça. Hop, le jetpot. Nouvelle entrée. Elle est où ton entrée? J'ai pas compris là. Bonheur renfort, je vais arriver. Hein? D'accord, du calme. J'ai pas compris là. Je vais pas passer. Ah, pour récupérer des boulons, génial. Bon, après, le seul bémol des jeux comme ça, c'est un peu répétitif, peut-être à la longue. Hop, attends, on va aller au parc. On va se promener dans le parc. Par contre, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de chien, pas de personne. Avec des zombies et des cratères là, hein, le personnage là. Ah, tu vas bien, hein? On dirait qu'ils te connaissent, moi. Hein? Hop, seul. Difficulté, merci. Hop. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, on n'entend pas les voix en français. Obligé de lire. Tour médaille, hein? D'accord. J'ai besoin d'un moment de repos. Ouais, ok. Ah, j'ai gagné un genre de points. Nouvelle entrée. Les vestiaires. Elle a dit les vestiaires. Alors, ça, c'est le personnage. Et qu'est-ce que ça fait si on le choisit? Dommage, on peut pas le prendre par contre. Personnage. Je peux pas monter par là. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir là? Super, Muetor. Ah ouais, ok, c'est ça le truc. Ah ouais, c'est ça qui peut. Ah d'accord. Ah, je peux pas lancer une sorte de monstre. Ça me dit pas comment je peux passer là-bas. Ah, je me disais tout à l'heure, il y a un bouton pour. Ah, elle a un missile. Ouais, elle a plein de trucs, elle. Elle a plein de petits gadgets. J'avais pas fait gaffe. Hein. Ah, c'est bien joli, là, mais je sais même pas où c'est qu'il faut que j'aille. Tout est fermé. Ah, là, il m'indique que c'est par là. Attaquer la poubelle, là. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il m'indique que c'est le parc. Là, on va changer de personnage. Là. Hop. Sur quoi je peux frapper? Ah, je peux acheter les trucs là? C'est que ça. Hein, une sorte de requin, je sais pas ce que c'est là. Qu'est-ce qu'il veut lui? On dirait. Hein, ok. D'accord, quelqu'un parlait à blanc. Hop. D'accord. Un nouveau plan qui décide! Ouais, j'ai débloqué un truc, on dirait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il a pu faire. Et ta hache aussi. Ah, là, par contre, je sais pas où il faut que j'aille parce que là, il me le dit pas. Où c'est que je dois aller? Là, tu m'as pas aidé là. Là, je suis bloqué. On va passer dans la rue en haut, on va voir. Il y en a d'avoir pas mal de petits chemins, mais le problème, c'est qu'on sait pas. Là, je peux pas passer, je suis bloqué. Tout à l'heure je disais que j'étais pas bloqué, mais là je suis bloqué maintenant. Là c'est bizarre, il me dit tout le temps d'aller au parc. Y'a quoi là? Ah ouais, j'avais pas vu, une sorte de monstre là. J'avais pas vu, chef il s'appelle. Un nouveau plan qui décide. Rentrons à la cabane. Tourelle. Il a dit la cabane, hein. Je sais pas, c'est peut-être créer un truc, on dirait. Je sais pas du tout. Là, j'arrive pas à comprendre leur truc. Là, on peut changer le personnage, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que je change de personnage? Je n'en sais rien du tout. Là, je suis un petit peu perdu. J'ai tout cassé, moi. Ouais, c'est sympa, comment il est cool. Hein. C'est dommage, alors, le système là, qui s'est fait ça. Là.
pas pouvoir jouer en ligne. Ça, c'est vraiment bizarre. J'essaie de passer par là. Ouais, mais je reviens toujours au même endroit. Il est où l'autre? Ok. Mais lui, ouais, je pense qu'il va rien me donner parce que je l'ai vu tout à l'heure. Non, je sais pas ce qu'il faut faire les gars, là je suis bloqué. De toute façon c'était pour vous le montrer vite fait, hein, pour vous dire qu'il est pas mal. En plus il est gratuit sur le Game Pass. Moi je vous le conseille, si vous avez Xbox, comme toujours. Voilà, hop, je m'arrête là les gars. C'était pour le montrer. Allez, sur ce coup moi je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne Multifranc77. Sur ce coup moi je vous dis à plus pour un autre test. Ciao.